Troisième étape de notre route des étangs, nous sommes ici au Haras du Tenay, chez la famille Riva, chez Nicolo Riva, chez qui on va parler tout de suite. La route des étangs, c'est également une bonne opportunité de voir les plus beaux édifices normands, comme vous le voyez derrière moi. Il fait toujours très très froid, hein, moins 10 degrés, toujours, on a mis une couche, deux couches, trois couches, quatre couches, cinq couches, bah, désolé, mais ouais, ça s'arrête ici. La sixième, les poils, effectivement, ouais. Bonjour Nicolo, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Avec ta nouvelle recrue pour 2017, qu'on voit derrière ici, c'est Pomelato. Alors pourquoi avoir recruté Pomelato? Ben, on a choisi de recruter Pomelato déjà pour ses performances. Il a quand même des statistiques impressionnantes. Il a 75% de ses partants qui sont black type. Oui. Je dois dire... Le roi des statistiques, comme on dit à chaque fois. Tout à fait, le roi des statistiques, encore en 2017. J'ai bien aimé sa course à Maison Lafitte. Quand même, il faut se rappeler qu'il a gagné de 4 longueurs sur Equiano. Quand il était entraîné par Peter Shergan, on le rappelle. Tout à fait. Et c'est un cheval que j'aime beaucoup. Je l'avais suivi déjà quand je l'avais vu chez mon ami Peter Audi en Allemagne. Et quand M. Gritscher, donc le propriétaire, a décidé de le délocaliser en France, on était en contact et on l'a amené ici. C'est vrai que déjà l'année dernière, il y avait deux ou trois personnes, donc un courtier, Eric Lemaître, qui m'avait demandé pourquoi pas pour Pomelato, parce qu'il avait une clientèle pour lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ses clients sont présents parce qu'on a déjà... un livre de réservation qui se remplit tous les jours. Très bien. Je te coupe deux minutes. Est-ce qu'on peut demander à Pomelato de marcher, s'il te plaît? Extra. Oui, donc il y a déjà des réservations, beaucoup de réservations pour lui. Oui, je dois dire que je suis étonné parce que d'habitude, des chevaux comme ceux qui stationnent au Haras du Tenay, on commence après la route des étalons à recevoir des appels. Et moi-même, j'appelle beaucoup d'éleveurs pour finaliser les contrats. Mais cette année, sur Pomelato, Spanish Moon et Wall Park, on a commencé déjà au mois de décembre, les gens qui réservaient des saillies, et on a un beau book pour les trois étalons. Merci beaucoup, Nicolo. Le voilà qui commence à danser, Pomelato. On rappelle son prix de saillie pour 2017? 5 000 euros, poulain vivant. Merci beaucoup.